Ah oui, c'est pas fini, hein. Ah, il y a un parc maintenant. Oh là là. Ça ne peut pas être la fin. Ah, écoute, apparemment, non, c'est pas la fin. Peut-être parce que j'ai. Apparemment, j'ai été sauvé. Par le mec qui avait été torturé. Enfin, sauvé, j'en sais rien. Est-ce qu'il m'a empêché de me suicider? Visite du docteur. Bonjour, voyageur. Si vous cherchez un moyen de retourner dans le monde normal. D'accord, donc il y a quelqu'un qui me parle, ok, le docteur. Si vous savez que vous êtes. Si vous êtes déjà au courant, vous êtes dans une autre dimension. Et que vous avez déjà essayé de vous suicider, mais que vous avez raté. Venez me voir, d'accord, ok. Et l'autre côté du lac. S'il n'y a pas de bateau disponible, passez par la montagne. Ok. Donc il aura un petit drapeau sur sa maison. On peut pas se tromper, hein, pour le moment. Je sais pas ce que c'est là, la montagne. On peut y aller là, non? Après, il y a un choix esthétique, c'est vrai. Il n'y a que trois couleurs, mais c'est vrai qu'après, c'est pas. Du coup, ça limite beaucoup le rendu, quoi. Attends, on est de là? Ah non. On n'est pas de là. Donc là, il n'y a pas de bateau. Chemin vers la montagne. Faut que j'y aille comme ça à la roche. Attends, je viens de cette maison là. Ok. Enfin, je viens de ce terrain là. Démoniaque. C'est pas fini, il y a des gens pendus même dans le parc, d'accord, ok. Il y a deux campeurs, ils se sont fait pendre. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est les toilettes de. D'heures d'autoroute là du parc, mais oui, je traversais pourquoi alors du coup? Le compte du suicide. Ok. Cher survivant. Bienvenue dans notre petit camp. Comme vous l'auriez remarqué, nous sommes tous morts. Ok. Enfin. En vie actuellement.
si notre théorie est correcte. Ah bon? Théorie se base l'information que nous avons récupérée d'un homme appelé Warren qui vit en ville à côté d'ici. Donc de quoi est-il question? Du suicide, en effet. After dying and then into the gloom. Ouais, dying the gloom should return to nowhere and then to the real world. En gros, ils ont peur de perdre leur leur mental en restant dans cette dimension-là, et qu'après c'est leur corps qui va disparaître et qui vont devenir, ils vont devenir des fantômes, des espèces de fantômes noirs qu'on voit. D'accord. Donc ils préfèrent se dire on meurt et peut-être qu'on va retourner. On va encore suicider, non? Ils vont retourner dans, dans le, l'entre-deux mondes et enfin revenir dans le monde réel. Quoi. Et ça, c'est pas sûr. Donc on va lui parler au docteur. Qui est sûrement le cerveau de toute cette affaire. Ah oui, alors faut que je me gourre, il m'a dit. Ma maison, il y a un drapeau dessus. Ah, c'est celle-là. Docteur Warren, quelqu'un. Un appareil bizarre. Machine dimensionnelle. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça part en couille. Voyager à travers les différentes dimensions est maintenant possible avec ma nouvelle machine. Cela m'a pris 7 ans pour développer une technologie comme ça. Voilà. Donc il a réussi à... Mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Voilà. Donc il faut... on détermine juste les points de... d'espace-temps. But are you traveling? Otherwise it will be impossible to return. Oula, faut que je note, c'est ça? Je sais pas où on va noter. Hein. C'est nos coordinateurs et strates. Donc en gros, il dit qu'il y a des strates et qu'il faut bouger d'une strate à l'autre. The first one seems to be just an eternal flow into the world. D'accord, donc le Dark Tunnel. D'accord. Il vaut mieux pas y aller alors, non? The Red Plan. S'il disait que c'était... Ça se complique là. Donc il y a quelque chose qui montre les pulsions du cœur quoi sur sa machine, donc il permet de montrer que bah, qu'on vit apparemment. Ça
small light at the top of the machine. Still, the rocket device still has connecting with the machine. D'accord, donc s'il n'y a plus de lumière, il est prisonnier. D'accord. Donc apparemment, si... Ah oui, bah du coup il est prisonnier. La lumière est pas allumée, il y a toujours... Allez, monsieur Warren, allez, sortez les toilettes. Vous me faites une blague. Pas de The Gloom. Donc en fait le gloom ça correspond à l'entre-deux mondes quand on n'est pas vraiment mort mais qu'on est on est toujours vivant mais que on est au bord de la mort quoi. Donc c'est l'histoire du tunnel en fait vers une lumière. Ça parle de réincarnation. Comme quoi on peut se réincarner à l'infini. D'accord, donc là il confirme que on disparaît si on essaye. Alors. Si on essayait de rester entre deux mondes. Alors, le délire. J'ai deux coordonnées. Alors, en théorie, je suis censé... Bon, on va faire ce que je suis censé faire. C'est-à-dire mettre la coordonnée du plan rouge. C'est ce que ça disait. Accept. 6. 2 et 120 degrés. 120 degrés, c'est. Non, 30 degrés. 30 degrés, pardon. Oui, mais comment tu juges ? 0, c'est là ? Ça, c'est 30 degrés ? Parce que normalement, ça, c'est 15. Non, mais c'est plus ou moins, c'est bizarre. J'en sais rien. 30. Voilà. C'est tellement aléatoire. Ça, c'est un 45. Mais je suis 30. Du coup. Ah, ça marche. C'est un point rouge. C'est ça? What the hell? C'est pour ça qu'il y a trois couleurs, le blanc, le rouge et le noir. Et là ça prend son sens, c'est ça qui est marrant. Il a choisi trois couleurs. Le jeu il commence à devenir intéressant. Là il y a une cassette, ok. De la lumière, d'accord. Ah, c'est pas une cassette, c'est du scotch. Tape. Enfin, c'est du... oui, c'est un bout de scotch.
suis à peine arrivé, j'ai déjà. J'ai déjà résolu un problème de pompe. Mécanicien. Enfin, technicien. Et ça servait à quoi? Bah, ça m'a servi à quoi? C'est ailleurs? C'est ça. Je ne comprends pas. Ah. Ouais. Ah, ça balance un truc. Donc j'ai le deuxième device, d'accord. C'est celui du docteur. Je suis légèrement paumé là. Légèrement. Quand même plus long que ce que je pensais. Donc je viens de là. On met une sorte de centre commercial. De la lumière, genre je reste dans la lumière rouge. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain. Genre je me mets là. Sérieusement? C'est des vieux gifs hein, quand même qui sont collés comme ça. Putain, c'est un peu tendu quand même. Ouais, je les attire là-bas. Ouais, mais comment je fais après? Faut que je fasse comme ça, voilà. Oh putain! Oh putain, le con! Oh le con! Oh le con! Oh le con. Oh le con, je suis bloqué, c'est un cul-de-sac. Oh, ils sont beaucoup. Ouf. Putain. Je n'aime pas ce silence. C'est trop... C'est trop tranquille. Ouais. Bah, profite-en un petit peu. Fait te faire bouffer le cul là, à l'instant. Docteur Warren. Putain, mais c'est... Ah mais il m'a laissé des indices. La clé est cachée. J'ai bloqué cette porte. Avec une clé. Is this person if you don't have any other choice. Hmm.
D'accord, donc c'est très, c'est un endroit très obscur, donc à utiliser cette porte qu'en extrême urgence. D'accord, il me dit que je peux trouver ça dans le mini parc. Merci. Je crois qu'il l'a planqué. Mais genre, il l'a planqué, il l'a enterré. C'est ça? Il est sérieux le mec? Est-ce qu'il dit faut de patience? Ah, c'est pas ça? Si. Elle nous accueille? Pourquoi il nous accueille? Dommage, un distributeur d'argent. J'aurais pu repartir au moins dans le monde réel. Je me serais réveillé du coma avec une des billets dans la main. Ça aurait été cool. Pas fait tout ça pour rien. Je pense que j'ai pas le choix, de toute façon. Voilà, on se calme. On se calme. Ah oui, en effet, putain, c'est chaud. Les cris venaient d'ici, c'était définitivement pas humain. Tu m'étonnes. Ah ouais, avec un timer, je savais pas la pression quoi. Aucune pression. Ah c'est ici à mon avis. Ah putain, si ça s'éteint, je suis bloqué. Hein. Non, je suis mort surtout. Ça s'éteint. Oh putain de merde. Oh putain de merde, il y a tout le coup. Ça touche ? Ça se passe ? Ah bah je suis mort. Ça se passe surtout que je suis mort. Mais ça va être une fin différente du coup. Une semaine est passée. Et Ethan a finalement quitté l'hôpital. Sa mère était très joyeuse. Mes docteurs lui ont donné des nouvelles de son retour. Ethan agissait bizarrement par rapport à d'habitude. Il a à peine dit un mot. Il avait un ton de voix différent. Oh là là, je sais ce qui se passe. Il possédait. Il était. Il était confus. Et ils ont dit à sa mère que c'était peut-être un problème momentané. En fait, il est mort à l'intérieur de lui-même, quoi, le mec. C'était un jour normal quand Ethan mangeait. Sa mère était déconcertée par rapport à sa nouvelle personnalité. Mais il était juste content de partager le même enfin, de partager un moment ensemble, quoi. Le cauchemar était fini. C'est une fin bizarre, ça, hein. Pour elle, elle ne devinera jamais la vérité. Ce qui n'est jamais plus. Ce qui n'est plus parmi nous. Putain, genre, dans sa tête, il est perdu quoi. Vanish. Ok. La fin mitigée. La fin, je veux. La fin. Un doigt dans le cul, je veux dire. Ok. Pourquoi pas? Bon, moi je veux la vraie fin, moi. Ok.
Ah, c'est beau fond, merde. Mais il est dégueulasse aussi ce labyrinthe. Ça fout quoi ça? Ça fout ça? C'est quoi ça? J'ai ramassé quoi? Mais. J'ai rien ramassé apparemment. J'ai touché une pierre, ça fait tout doux, ok. Genre j'ai ramassé un objet en fait, non. Je suis trop rapide pour le jeu. Un gros t'es mort mais pas ton corps. Ouais c'est ça un gros ouais. Ouais. T'es un petit peu mort dans ta tête quoi. Vive le coma hein. Oh merde. L'électricité, mais comment? Attends, mais je viens d'où là? Je viens de là, non? Ouais, voilà, il va partir en arrière. Je sens qu'on approche du but. Ça c'est bloqué, ça c'est bloqué. Ça a un rapport avec cette machine là. C'est complètement con là, je le vois que c'est là. Je peux pas le couper. Ah bah si, je peux appuyer. Ah, une énigme à l'ancienne ça. Je suis nul à ce genre de truc, mais bon c'est pas grave. Quoi? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous me laissez même pas le temps de réfléchir? Oh c'est une blague. Apparemment c'est pas une blague. Ok. Un deuxième là. Merde. Je sais pas, j'appuie au hasard en plus là. J'en sais rien. Là comme ça. Non pas comme ça, comme côté à l'autre. C'était l'autre. Hein? Allez, fin mitigé, deuxième prise. Ok. Ah le décor ça change. Ok. C'est bon la fin. Bon, on va réussir à sortir ce putain de coma sans être un légume. Pas vrai ça. Ok. Ah ouais, il fait pas chier là. Ça a marché là? Oh putain, ça a marché. Je précise que j'ai fait ça complètement à la tarde. C'est parce que le jour tombe que je me faisais serrer par un fantôme là. Piège mortel. Bonjour. Ending paint, oui. L'ending fake paint, quand même. À noter, c'est sûr. C'est à noter. Ah, putain. Mais par contre, on sent bien la folie, tu sais. Quoi. En fait, on sentait plus la folie que le mec qui est végétatif. Mais il me dit que c'est impossible d'y arriver sans une torche, mais. C'est pas électrocuté, ouais. Ouais, mais.
Elle est sympa, mais comment je la trouve ta torche? Ah bah je suis mort là. Bah voilà, ça commence. Putain, ils sortent du trou du cul de mon... Merde, mais ça souffle pas ça? Vas-y, fous le feu à la citerne. Oh putain, c'est quoi ça? Retire sur l'escalier. Non, 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 non. C'est pour ouvrir ça là? Allez! Merde. On va refaire un tour. Wow, mais ils sont combien? Merci Chancal pour le reste. Elle n'en sait rien s'il y a des succès, mais... Je sais pas s'il y a des succès sur ce jeu, j'en sais rien. Tellement loco, ce qu'il doit pas y avoir de succès. Putain, mais... Non! Ah, c'est pas ça? Oh, comment je suis trop mort, là. Oh, je suis mort. Salut, maman. Je pense que ça va te faire bizarre de passer du stream de Chancal au mien. T'as vu le double, il y a ta maman. Il y a la maman de tous les streamers. Ah, putain, je sais pas. Ah, je recommence là? Attends, je recommence. Non. J'ai débloqué la porte quand même. Ah merde, putain, je me retape l'énigme où je comprends rien. Franchement, pur instinct comme ça, voilà. Eh, viens me tuer là. J'ai pas trouvé du premier coup là. Ah. Putain, mais c'est tellement aléatoire. Prépare-moi le goûter. Maman, je t'aime, prépare-moi le goûter. C'est bien, il prépare le terrain. C'est... Il dit d'abord, maman, je t'aime. Par contre, j'ai peur que ça tombe tout seul là, la nuit. Mais c'était pas en bas là le. Ah, si, ça commence à tomber la vache. Mais c'était pas ici là? C'est pas ça? C'est oui, bah voilà, bah c'était là. Pourquoi ça a pas voulu ouvrir, bordel? Ah non, c'était une citerne d'eau. Je pensais que c'était une citerne d'essence. Voilà. Pourquoi ça peut vous voir la première fois? Bizarre. Y a un trou dans le mur. Allez, aidez-moi, dégage-moi ça là. Attention, je rigole plus là. Jackie Chan. Merde. Merde, merde, merde. Vite. Ah, c'est bon. En sécurité ici. Enfin, je vais pas attendre qu'il arrive, hein, je te le dis. Quoi? Ah. Oh merde. C'est quoi cet entrepôt là? Quoi? Sérieux là, je dois faire encore une énigme alors que c'est le stress là. Merde.
pas. Ils sont entrés, mais vous êtes sérieux? C'est une consistance ces fantômes de merde là? Cassez-vous! En plus, on les voit venir! Vous êtes sérieux dans le jeu? Êtes... Vas-y, je m'en fous, je monte, vas-y. Voilà, y'a plus rien, je m'en fous. Je tombe dans la ville. Oh, cette scène, elle est ouf! En plus, elle est bien faite cette scène! Mais oui, mais je suis mort, bah qu'est-ce que je te dise? Voilà, totale panique là. Allez, venez me bouffer le cul! Allez, j'y vais comme ça là, qu'est-ce qu'il y a? Venez! Venez, je vous affronte! Ah, mais c'est l'enfer sur Terre, ce dernier niveau. Comment tu veux que... Comment tu veux que je réfléchisse à quelque chose? Ouais, merci du host, du auto-host, quasi. Bon, bah c'est cool, au moins je redémarre là. C'est des Nazgûl, c'est ça, ouais, franchement. C'est ça, maman. Franchement, c'est des Nazgûl. C'est trop ça. T'as les neufs qui sont arrivés direct là, me péter le fion. J'arrive à m'en laisser aucune chance. On fait un petit truc comme ça là. Tac. Je fais un petit peu de la merde là. Je m'en rends compte en plus. Putain, mais cette scène quoi! Cette scène! Ah là là, mais elle m'angoisse! Mais c'est un truc de ouf, ouais, comment ça m'angoisse! Mais cassez-vous! Aïe 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 aïe! Suicide! En plus, ça va être tout con, mais si j'avais le temps, mais je réfléchirais! Mais... Pour le roi! Oh my god. C'est ça, c'est les neuf rois humains là. C'est les Nazgûl là. Ouais, je vais y arriver, je vais y arriver. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Parce que ça devient... Ouais. Ça devient chaud du slibar là. Franchement, cette scène est réussie. Ça fout vraiment le stress. Quoi. Je sais pas quoi faire. Si je vais balancer comme ça, là, voilà. C'est pas mal, mais ça décale de deux à chaque fois, ça m'énerve. J'arrive pas à l'anticiper. Putain, mais ça doit être vachement simple, mais j'y arrive pas. Ça se décale de deux, c'est ça à chaque fois. Faudrait faire les extrêmes et après ceux du milieu. Enfin, j'en sais rien. Faire ça à l'arrache, ça va passer au bout d'un moment. J'en suis à la fin, j'ai pas fait tout ça pour rien. On va finir ce jeu.
pas cette épée direct en haut. Ok. Ah, je suis déjà là. Ah bah ouais, c'est tout. Putain, mais je m'emmerde. Hein. Genre, je me suis dit, bah ouais, faut appuyer là au milieu. Putain de merde, c'était de la merde. Ah oui, ça me dégoûte. Yeah! Après toutes ces horreurs et ces bizarreries, il a fait. Ethan a réussi à arriver à destination. Alors, admirez le truc un peu éteint. Il a trouvé la cache secrète du docteur Warren. Du coup, il lui a serré la main, il était content. Il lui a donné le device. Il n'y avait aucune raison de rester dans le plan rouge. Donc on va revenir dans le gloom. Ok, vas-y, c'est parti. On entre deux mondes. Et il choulou là, le docteur, comme ça. Après leur retour, ils ont eu une longue conversation de... par rapport à leur expérience. Et Victor Warren a expliqué... je sais pas quoi... Au milieu de la nuit, un truc comme ça. Il faut qu'ils courent vite, autant qu'ils peuvent. Ouais... Bah, il l'a laissé du coup entre les deux mondes, ouais. C'est-à-dire, bon, du coup, il a réussi, le docteur a quand même à le renvoyer vers le monde. Ah merde! D'accord, donc du coup, il y avait déjà l'esprit de quelqu'un d'autre qui est... Ah, c'est le mec que j'ai dû libérer. Il a pris mon corps, en fait. Et du coup, moi, je suis... Alors, ça croit à leur incarnation. Hein. Je suis retourné dans le corps de quelqu'un d'autre, apparemment. D'accord. Il est devenu un SDF, c'est ça? Non. Comment c'est hard? Si c'est vrai, c'est hard. Genre, tu te souviens, t'avais une famille, une mère aimante. Un droit chaud, un toit et tout, mais maintenant t'es un SDF. C'est ça la meilleure fin? On dit un SDF à la fin? Ouais bah j'ai fait 3 fois sur 3 fins sur 5. Dans une où je suis allé jusqu'au bout. Un seul truc que j'ai pas fait, ouais, c'est ouvrir l'appartement. J'avais une clé d'appartement. Mais franchement, bon. Je m'en cogne un petit peu quoi. 3 fins sur 5, ça me suffit. J'ai pas forcément envie de rejouer le jeu. Et voilà. C'était bien. Hein.
normalement, si je regarde là. Ouais, c'est ça. Trois fois sur 5. Donc la fin SDF, la fin où son âme est, disparaît et il devient végétatif, et la fin bah, où on le débranche. C'est génial le coma. Donc bah, bah pour les nouveaux qui sont arrivés, bah voilà, bon bah c'est. Et malheureusement c'est fini. Vu que j'ai pas raté grand chose, en gros c'était le. Un jeu de quelqu'un qui.